243, la référence de l'actualité. Je m'envoie un message, nous anime. Bon, nous avons un message parce que nous sommes en train de faire nous avons besoin de députés de TAO à la matinée, surtout que c'est la mission là-bas. Quand on a un honorable de SAFU, c'est la mission. C'est la bande de 2009. Donc, nous avons un honnêtement, nous avons un honorable de SAFU, nous avons un honorable de SAFU. Nous avons un honorable de SAFU, nous avons un honorable. Depuis nous sommes les qui tout le monde est sur depuis ça c'est nous ça la honte. Bah on y est sur la salle c'est la propagande là ouah. Non sur notre salle c'est honte. Banda honorable Mbuchite ya. Maman Mbuchite ya banda c'est ça nous ça la honte. Banda 2009. Banda 2009. Et on remercie tout remercier honorable Safu. Pour remercier Makasi. Nous ça la honte. C'est une des quêtes nasuka. Vraiment un hasard parmi bateau yo. Bah on la mobilisation même y a la campagne n'est pas l'élection pour ya. Et puis, nous avons déjà vu un peu. Donc, nous avons déjà vu un peu. Donc, nous avons la mobilisation pour aller à l'école pour ça, à la salle pour nous faire un peu de temps. Donc, plaisir à tous. Allô, maman. Bonne papa. Maman, tu as dit que tu as fait un peu de temps. Tu as fait un papa, tu as fait un peu de temps. Papa, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de. Donc, tu as fait un ça. Au bon sa biso place au nyos tout est à la bien. Batende zalagi boete, biso se zala bon goté. Tozana posa, ya chef na biso président, papa Tshisekedi. A bon se la biso atinda basal ba bon se la biso esiko. Talana ne sika ndenge zali. Salite mboula soke beti moye kutu ya kotambo les ate. To komi ko pona bisika ko pona ba mai na batozo dina na kata ba mai. Tozana posa. Et si que comme a bien beau que ça la kitoko, batera c'est beau fungola. Ça c'est dans la batera c'est ba macadam ezalaka wa mais soko to kola lokola soki ndenge nini.
Tous les présidents, en tout cas, sont gabissos. Mais tout le monde, moi, l'amboka, honorable Daniel, ça fois, ça peut m'occuper de m'appeler Oyo. Azuli Kanisi, à Robanda, le fils qu'il y a Oyo, à Zalango, à Bandi Moussala Oyo. Mon message n'est pas un pour l'honorable Daniel. Pourquoi tu es un député Bélé, tu es campagne, tu es député Bélé, mais les lots, député Mounio, c'est Kima Bino. Tout le monde ira Daniel, tu as fondé les Azuli Kanisi, c'est mon message là, tu es rassé à Zofongola. Moi, un message, je réponds à Daniel. Papa, je s'appelle Nayendenga Azuli Kanisi, en tout cas, à Zamoubali. À Moubali, à Solomé. Et continuer à dire que nous sommes en train de se faire. 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 Nous sommes en train de En tout cas, nous avons été députés à Jimoy Dewana, en tout cas, à Zamoubal. Mais le chef, le président, il a sauté. Il a sauté, il a courage. Il a sauté, il a chef de l'État, il a sauté, il a sauté, congolais. Il a message, il a sauté, il a sauté. Daniel, il a sauté, il a sauté, il a sauté, il a sauté. Le président du gouvernement est en charge, il a le droit de la place dans la journée mon corps. Il a le droit de relancer le message par la banque maman. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Chaque jour, pour que je suis en train de me faire un peu de temps. Le courant est en train de me faire un peu de temps. Le courant est en train de me faire un peu de temps. Donc, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Mais tu as un peu de ville à Kinshasa. Tous ont souffri boye, maï, courant, donc moyeté. Banzela, moule beti, moi ko tambo les ate, atam to lati bien. Et comme il a sauté, na maï, bien te. En tout cas, on a un message à des députés provinciaux, des députés nationaux. Oh, babi maki na kata komino en tout cas, bon ban zapeba komino, na bino, tout moni mama zole la awa, tout moni pena komino la difficulté à courant. Là vraiment bazo vivre dans quatre bosoto en tout cas bino ba député bino ne boza ba lobeli ya population ba voix et bien outa na commune ba voix belé ba voter bino a bosé pela bokenda bo bosé na élection bino en tout cas vraiment bo kunda bo sala pena na lombango si tu ba le ko bambule to beta makasi ba twa zoko ko vivre té bo kunda makasi pona commune bo yo kata message ya mama na message a lancé pena chef de l'état Patrick Félix Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Oh, un message à maman, en tout cas maman te tourne de bouton. Merci.
243, la référence de l'actualité. C'était un cartonnage manuel. Dernière fois, française m'a dit ma tête. Bana ma tête, toujours sur ma tête. Marche sur la bise de Rokin d'un côté. Oui, toi soutenir le projet chef de l'État, et ça cantonnage manuel. Oh, dernière fois, soutenir le bise de l'Ekinaï, tout ça, Moussa pour la carte à ma tête. Yango to singing about Tubaïko Sungaï, tout ça, chef de l'État, Alan de Macomba, Daniel Sam, Nacha Tiningo Bila. Juste savoir qu'est-ce qui se passe ici sur le quartier Moutoto où tout le monde, tout le jeune sont mobilisés pour faire le cantonnage manuel. Nous avons lancé un nouveau paradigme. Le paradigme, il faut le créer. L'actuel paradigme à Moamba, c'est le cantonnage manuel. Matete, nous avons fait de Matete comme étant la commune expérimentale. Mais cette action va aller partout. Lemba, Kisensu, Ngaba, Moamba est en voie de disparaître. Nous n'avons pas de route secondaire, nous n'en avons pas. Si les plans internes, nos communes sont en train de disparaître. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a rien. Et en fait, c'est une interpellation. J'ai voulu interpeller le nouveau Premier ministre, le gouverneur de la ville, le président de la République, qu'ils aient un œil regardant sur Moamba, notamment Matete, Lemba, Kisensu. Je prends le cas de Kisensu. Vous avez 5 têtes érosives. Si on n'arrive pas à apporter une approche technique par rapport à ces têtes érosives, Kisensu va disparaître.
Je prends le cas de Matete. Matete, un pompe de canalisation d'eau. Ceux qui se disent Matete est devenu sale, tant mieux. Ils n'ont pas connu Matete à son temps. Matete, c'est cette commune-là qu'on a tous proclamé la commune la mieux urbanisée de la ville de Kinshasa. Mais c'est pas un pompe de canalisation d'eau. L'eau, lorsque vous ne savez pas canaliser l'eau, ça crée des dégâts. Ça tue, ça détruit. Et si on veut aménager, n'est-ce pas, Matete, au premier coup, nous puissions quirer, nous devons quirer, n'est-ce pas? Nous devons quirer, n'est-ce pas, des caniveaux et consorts. Les Matétois se sont impliqués, se sont appliqués. Je suis rugueux au niveau des concepts. Il y a l'implication et l'application, n'est-ce pas, des jeunes Matétois eux-mêmes, la main-d'œuvre. Vous avez vu, ce sont des jeunes eux-mêmes. Nous, nous apportons les idées claires et distinctes, nous apportons, n'est-ce pas, la logistique et nous apportons l'encadrement. C'est un encadrement. Donc, le nouveau paradigme que nous venons de créer, n'est-ce pas, Matete, le cantonnage manuel. Là où ça ne va pas, nous pouvons apporter tant soit paix, nous pouvons améliorer. Mais aujourd'hui, c'est avec quels moyens de bord? Les moyens de bord, moi-même, je suis député et j'ai les émoluments. Je fais des économies. Pourquoi n'est pas associé d'autres autorités, en l'occurrence nous avons déjà, de la ville de Kinshasa? Nous avons déjà associé, n'est-ce pas, les gouverneurs de la ville. Il s'est intéressé, n'est-ce pas, à ce travail. C'est un partenaire. Et nous continuons, n'est-ce pas, à solliciter d'autres partenaires, notamment les premiers ministres, notamment les présidents de la République. Si on ne le fait pas, Matete va disparaître. Si on ne le fait pas, les gens vont mourir à Matete. Mais aujourd'hui, quel est l'apport de votre commune? En l'occurrence, votre bourgmestre de la commune, parce qu'on ne voit pas ses agents assister dans ce que vous faites. Je n'aimerais pas tomber dans la théorie d'Adam et Ève. Quand Dieu pose la question à Ève, qu'avez-vous fait? Adam d'abord. Adam, qu'avez-vous fait? Il jette la pierre à Ève. Ève, quand il fait, il jette la pierre, n'est-ce pas, au serpent. Je n'aimerais pas tomber dans ces théories d'Adam et Ève. J'aimerais m'assumer en tant que ressortissant de Mohamba, en tant que ressortissant de Matete. N'oublie pas, mes grands-parents sont les premiers occupants de Matete. Donc je suis vraiment ressortissant de Matete. Donc je le fais d'abord par rapport à ma passion, à la passion, n'est-ce pas, ma commune, à la passion, ma circonscription. Je voulais impliquer tout le monde, n'est-ce pas, à cette passion. Tous ceux qui aiment Matete, tous ceux qui ont connu Matete, je crois qu'il est temps, nous puissions mettre la main dans la pâte. Mais est-ce que dans ces nouveaux paradigmes, cette nouvelle vision pour Matete, est-ce qu'il y a l'apport des autres députés nationaux pour s'associer à vous? Je mérite être sincère. Les gens sont sataniques et diaboliques. Par contre, les gens cherchent à saper cette action. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, demain c'est jeudi, nous avons des grands travaux ici à Matete. Mais vous verrez, il y a des députés qui organisent des actions pour saper cette action. C'est diabolique, c'est satanique. C'est satanique. Donc il y a là de la jalousie, il y a là, n'est-ce pas, des limites liées, n'est-ce pas, aux initiatives d'ordre social. Dans ce sens-là. Je crois que si d'autres députés venaient se joindre à moi, on pourrait améliorer tant soit peu. Mais saisissez, je crois que nous devrions être développer un sens d'humanisme. Le sens d'amour, l'autre en tant que valeur. Il ne faut pas traiter l'autre comme ennemi, comme adversaire, surtout en politique. Un politique, je dis bien un politique, pas un politicien. Un politique n'est pas loin d'un chrétien. C'est ça un politique. Un politique, il a la passion de la progéniture. Il a la passion des générations futures. Il a la passion de son environnement. Nous améliorons notre environnement. Vous avez vu les applaudissements des mamans. Nous améliorons notre environnement. Lorsque l'environnement n'est pas sain, conséquence, il y a des maladies, il y a des pandémies, il y a pas mal de choses qui peuvent, n'est-ce pas, engendrer là-dessus. Il y a des ramifications conséquentielles liées à la santé. Lorsque l'environnement n'est pas sain, dans ce sens-là. Donc, les députés qui pensent qu'ils peuvent me combattre, non, ils combattent Matete, ils ne combattent pas Daniel Saf. Je ne le fais pas dans l'intentionnalité d'un électorat, non. Je le fais avant tout dans l'ordre passionnel. Il s'agit, n'est-ce pas, de ma commune respective. Cette commune a vu mes grands-parents. Cette commune a vu ma maman. Cette commune a vu mes sœurs. Cette commune m'a vu naître moi-même. Qu'est-ce que je peux donner à cette commune? Cette commune a fait de moi député national. Qu'est-ce que moi je peux donner à cette commune? Je crois que je ne peux qu'intervenir dans son environnement malsain. Rendre cet environnement sain dans ce sens-là. Je crois que c'est aussi une interpellation. C'est un paradigme que nous voulions, n'est-ce pas, mettre en place pour toute la circonscription de Mohamba, pour toute la ville de Kinshasa,
que les gens retiennent les concepts, les cantonnages manuels. L'action politique doit être menée avec des concepts. L'action politique doit être menée avec beaucoup d'intelligence. Ce que René Descartes appelle les idées claires et distinctes, des idées capables à changer l'environnement, des idées opérationnelles, capables à répondre aux besoins fondamentaux, tant soit peu, n'est-ce pas, de la population, dans ce sens-là. Donc je lance un appel à tous les Matétois et je donne mon ordre avec la puissance de Fumukimbang. Il n'y a pas marche demain. Il n'y a pas marche. Il n'y a pas marche. La puissance de Fumukimbang. Katika Congo. Kingunza, Kingunza. Dans le lobby de Matete, le lobby marche chez Alité. La paix mon ordre, en tant que leader de Matete. Le lobby marche chez Alité. Quand on marche, on a des alibos zoba, des alibos zololo. To combo là. Et si on marche, to combo la Matete. Et si on marche, on sera à bas niveau. Il faut que la politique soit à bas niveau, à jalousie. Mais on lance appel un mot d'ordre. Je fais chèque dans la marche et salam à lobby. Marche zate. Je fais un mot d'ordre dans la tête. Lobby marche zate. On va retenir marche. On a kanda pour qui m'a quitté la bango. Marche zate. Lobby par contre, salon et zali na Kinsaku. Salon et zali awa. Cantonnage, moi, je suis partout dans ma tête lobby. Système a rebloqué Moutou. To banda musalo kala. To bengi yango cantonnage manuel. Pambate makanisia bwanya, makanisia mayele et tonda makana bonzambe. Tabozali kanise ute pa nzambe omuni bilenge ne batundi. Bae musala. Lobi tozana musala. Omuni na pesi mode d'ordre de l'eau. Lobi na matete marche zate. Lobina matete za cantonnage manuel. Mama liboso ndaku, balabala, avenue, ri, tokombola, tokomisa matete propre lobby. Honorable. Nicole, l'équipe est belo bandaki déjà idée na ya cantonnage manuel na ba moyen propre. Est-ce que ba autorité municipale ya ba commune na matete ba zo porter au main fort to zaka ka continuer. Nanu ba porter ngelo remote. Mais na Nicole le kaki na zo ki main fort à gouverneur, na Nicole le kaki. Et ça, partenariat, autour de tout en place pour nous accompagner le cantonnage manuel, notamment dans Moamba, dans la ville de Kinshasa. Mais Matete, Batouba Kangayango, nous sommes partis de Matete comme étant la commune expérimentale. Nous sommes les bons à Kisesu, nous sommes bons à Lemba, nous sommes les bons à Kinshasa, c'est une salité. Commune qui est une salité, c'est une salité. Ce qui est un peu plus Matete comme une salité, c'est un marché. C'est un peu plus grand que nous. Qui sait ce ça là, 5 têtes érosives. Ce qui te bundit qui sait ce rolimo. Lemba banzela kati ezali susute. Ma tete zo pour ma canalisation d'eau. Yango moni bato bazole là, ma tete comme salité. Mais keba peut-être ma tete ngote. Kala kala babenga ma tete la commune la mieux urbanisée. Je souligne la commune la mieux urbanisée. Mais le lotto ngabino bozo sala ba marche. Oh ma tete comme salité. Mais toza la batute. To kenari ke la si pour la sala ni. Et si ko e bebito bongisa ti. Et si ko e bebito bongisa. Biso to komi ba konje to kolele pa nani to ape na union sacrée marche avant to sala po na sala na kadisi na nzela ko meka oyo na implication bilenge na biso moko esiko e mabele zipama to timoli to bwa ki pembela na papa mokonzi Félix Tshisekedi to bwa ki pembela na Jatini Ngobila to bwa ki pembela na premier ministre na biso aye hein sama abosa na biso te na muamba. Pambate, bisika biso et comme salité. Ce qui moutalobi matete kaka salité, bongo kisesu. Bongo lemba, bongo ngaba, bongo kingabwa, bongo mombele. Ils a passé mingi. Tosala musala na bwanya na bunzambe. Tosala musala na zuate. Parce que moutabandi musalo na matete zalingai. Olieba iya, batianga maboko, tosangana, bango baliba bundisangai. Kobundisa Fumukimbang keba. Oko kundama. Oko limwa. Parce que mpeve ya longo, kingunza kia kingunza, ezali. Ozola nangai, boya to bongisa matete. Batongope ba obundisa, bazana ba obana matete. Atiki komine ya kisensu. Ayega ka matete salite marche. Na pesi mododre. Na nguya nyoso, kingunza kia kingunza. Lobi marche zate. Mwana matete nyoso, ya o region de Daniel Saf. Lobi to okuta la kuna. Na Kinsaku, tozana mutoto awa, ha? Tracteur et rocota mitou et rocota pour la rambler banzela, tant soit paix,
et si que Zamabe et Bonga, c'est le nouveau leadership à Matete. Nous avons tout le monde à soutenir. Botoli Bangong, bana Matete va compter na maïe, na maïele, na boigna, na construction leadership, na vision à Congo. Bana Matete va compter, bana Mouamba va compter. Boye ba mutunino boko pesa mingongo la bino. Ah, donc déjà net aux ato démarrer lobby, modo drogo kanga bomona, marche zate na Mateta. Ah ouais, tu sais qui nous salue le président Lobagi. Qui salue qui salue qui salue est-ce que déjà commis la salle en attendant le cantonnage Manuel la Banda déjà pour ça mort de lobby Matete Nyon Sopau Yango. On a Daniel. Daniel, Bien. Le vrai besoin, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer. Mais le Congo ne passera pas. Le Congo est immuable et éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union sacrée, Daniel Safoula. Parmi les grands leaders de l'Union sacrée, Daniel Safoula. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union sacrée, il trouvera Daniel Safoula sur son chemin. Et je l'écraserai. Et vous êtes... Info 243, la référence de l'actualité. On s'est déplacé, il y a ma plateau Nabisso, pour venir ici, dans la commune, il y a Matete, Awa Tozoami, dans la circonscription à Mouamba. Wapi wapi, le lu, il y a Mouamba, honorable Daniel Safoua, Kosala Moussala, Awa. D'abord, tu vas le pourquoi. Moi, je suis honorable Daniel Safoua, Mbote. Mbote. Awa, na Matete, place Toza précisément. Moussala, d'abord, Kosala, pour quel but, en fait? Il n'y a qu'un seul but, je suis ressortissant de Matete. Je suis Eli de Mouamba. Nous avons créé un nouveau paradigme, accompagné de nouveaux concepts. Ce que nous appelons le cantonnage manuel. C'est un paradigme, c'est toute une intelligence, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie qui implique beaucoup d'intelligence. Comment nous pouvons tant soit peu améliorer notre circonscription, notamment notre commune de Matete, qui est en voie de disparaître. En fait, le cantonnage manuel, nous sommes partis de Matete comme étant la commune expérimentale. Mais sinon, c'est pratiquement un paradigme que nous voudrions imposer partout. Kisensu, vous me posez la question, nous venons avec vous à Kisensu. Kisensu, Lemba, partout, notamment la ville de Kinshasa. La vision est grande. C'est une grande vision. Comment améliorer la ville de Kinshasa avec les cantonnages manuels, avec l'implication, n'est-ce pas, des citoyens. Nous impliquons les citoyens afin d'aménager, n'est-ce pas, l'environnement. Le cantonnage manuel, comme le dit les mots, la main d'œuvre est là. Nous apportons, n'est-ce pas, les outils, nous apportons le matériel et les jeunes s'impliquent et accompagnent l'action, n'est-ce pas? Vous savez, il y a ce que nous avons appelé hier la voie urbaine. La voie urbaine aujourd'hui est très mal définie. Chaque commune devait avoir sa voirie. Où est la voirie de Matete? Où est la voirie de Lemba? Où est la voirie de Limete? Lorsqu'il n'y a pas la voirie urbaine, c'est la ville qui est appelé à disparaître. Bon, Matete, il se pose un problème. C'est la commune la mieux urbanisée. Dans son origine, il a été prévu qu'il y ait suivi et entretien. On n'a jamais entretenu Matete. Il n'a jamais eu suivi. Nous avons dépassé même les années qui ont été prévues pour la survie de cet ouvrage qui est Matete. On a dépassé les années. Mais on n'a pas prévu l'entretien comme tel, il n'y a pas eu suivi. Et aujourd'hui, Matete est en train de disparaître dans la mesure où on ne sait plus comment canaliser l'eau. Nous, il faut curer. Il faut curer au-delà de ce pas du curage. Il faut évacuer ce que nous faisons ici.
Quand vous tirez, n'est-ce pas, il faut évacuer. Et c'est tout un problème. J'en appelle au Premier ministre, j'en appelle au Président de la République, j'en appelle au gouvernement. C'est également une question pour vous poser cette question. En tant que député national, vous avez un travail de contrôler, légiférer, mais quand vous venez travailler dans ces chantiers, ou soit apporter votre main forte, d'ailleurs par vos émoluments. C'est quoi? Vous avez remarqué une forte déficit par de personnes qui sont censées à faire ces travaux, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a appelé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Non. De devenir, il y a besoin. Il y a besoin. J'ai envie de répondre aux besoins de mes électeurs, aux besoins de mon environnement. Les besoins se présentent au niveau des infrastructures. Nous n'avons plus de routes secondaires à Matete. Il n'y a pas canalisation d'eau, il n'y a rien. Mais moi, en tant que député, je sors de ce qui est classique. Légiférer, contrôler, c'est de la théorie. Je crois qu'au-delà, nous sommes aussi en mesure de répondre à certains besoins, n'est-ce pas, de la population. Je suis en train de répondre à un besoin fondamental. Cet environnement ici était tellement sale, les gens ne pourraient pas vivre ici, mais les gens vivaient ici. Donc j'ai répondu à un besoin, j'ai répondu à un appel. Et cet appel n'est pas seulement pour moi, Daniel Safou. C'est aussi un appel pour le président de la République. C'est aussi un appel pour le Premier ministre. Qu'on aille un œil regardant sur Matete, sur Kisensu, sur Lemba, sur Kingabwa. En un mot, la vie de Kinshasa est en train de disparaître. Si nous ne mettons pas la main dans la pâte, cette ville va disparaître. C'est notre ville. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouverneur. Ce n'est pas seulement l'affaire, n'est-ce pas, du Premier ministre, ce n'est pas seulement l'affaire du Président, c'est l'affaire de tous les citoyens. Chaque citoyen, partout où il est appelé à aménager, n'est-ce pas, son environnement. C'est ce que j'appelle le cantonnage manuel. C'est pratiquement une ivoirie revue et corrigée, dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas la voirie. Et nous-mêmes, les citoyens, devons créer les possibilités et les moyens afin d'aménager notre environnement. Vous irez au-delà de Matete, ou soit vous allez juste vous limiter dans la commune de Matete? Je l'ai dit, Matete, c'est une commune expérimentale. J'irai loin, je suis déjà à Kisensu. À Kisensu, déjà, j'essaie de dégager les immondices avec les moyens des bords, donc je suis déjà à Matete. Mais Matete, comme étant la commune la mieux urbanisée à son temps, il y a des repères. Il y a possibilité, nous puissions aménager Matete, mais il y a des repères. Vous comprenez? Vous verrez, il y avait du sable. Maintenant, nous avons touché, n'est-ce pas, les macadam. Donc, Matete, c'est une commune expérimentale. Après Matete, Kisensu. Kisensu, Ngaba. Ngaba, Lemba. Lemba, Barumbu. Barumbu, comme donc, je l'ai dit tantôt, c'est une vision. Qu'on puisse m'accompagner dans cette vision. C'est une vision qui n'est pas loin de la voie urbaine. Comme on a passé des mois, ça nécessite de gros moyens, vraiment de gros moyens. Mais avec des moyens de bord, c'est comme souvent nous disons, c'est du cantonnage manuel. J'aimerais que les Quinois, j'aimerais que quiconque puisse, n'est-ce pas, s'approprier de ce concept. Cantonnage manuel. Il y a moyen de faire appel aux jeunes avec des pelles, avec des pioches. Nous-mêmes, on peut répondre à nos besoins, à nos préoccupations, avant que l'État intervienne dans ce sens-là. Comme a dit Félix Kissaloumé Banda, nous n'allons pas laisser le Premier ministre seul. Nous n'allons pas laisser le président Félix Tshisekedi seul. Nous aussi députés, avec la députation de proximité, on peut intervenir. Ça, c'est un la proximité. Concept. Oui, la proximité. Députation de proximité. N'oubliez pas, Machiavel dit, si vous voulez faire la politique, soyez amis du peuple. C'est une amitié que j'ai en train de créer avec mon peuple, dans ce sens-là. Alors, nous sommes presque à la fin de cette interview pour vous laisser travailler. Il y a une question aussi suspendue, une question est entrée à vos fonctions et votre travail en tant que député. C'est vrai que beaucoup de personnes vont se poser aussi cette question. On dit que le député national menace de bloquer l'investiture. Quelle est votre réaction? Non, c'est faux. Daniel Safou, c'est un leader. Nous sommes au niveau des lignes sacrées. Ils sont au niveau des revendications, mais ils n'ont pas la possibilité de bloquer l'investiture, n'est-ce pas, du Premier ministre. Ça, c'est du Toïboï, c'est la rue et consort. Ils sont, je crois, 133. Ce sont des revendications. De la même manière, les citoyens revendiquent, les députés aussi peuvent revendiquer. Mais dire que les députés veulent bloquer, non, ça c'est faux. Nous avons besoin de construire la nation. On a besoin de construire la nation. On n'a pas besoin, tel doit être ministre, tel doit être... Non. Les vrais besoins, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer, mais le Congo ne passera pas.
le Congo immuable éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, par la puissance de Fonki Mbangu, personne ne peut bloquer. Je vous fais une révélation. Kimbangu est de l'Ouest, il va mourir à l'Est. Vous savez pourquoi? Les gens ne l'ont jamais su. Je profite à travers ton émission. Kimbangu qui naît à l'Ouest, il meurt à l'Est, c'était pour une seule mission. Verrouiller le Congo, l'unité du Congo. Verrouiller le Congo, que le Congo puisse devenir une grande nation. Personne ne va bloquer le Premier ministre. Personne ne va bloquer Félix Tshisekedi wa Mulumba, personne. Ce sont des revendications normales. Ça n'a rien à voir avec l'évolution politique du pays. Parce que l'idéal, l'objectif, qu'on arrive, n'est-ce pas, à sortir du Congo du gouffre. Ça, loin de flatter, Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Que tous les Congolais s'imprègnent à la possibilité de construire la nation. S'il y a 133 députés, d'abord je ne suis pas avec eux. S'il y en a 140. Est-ce que vous faites partie de députés, c'est le concept d'ailleurs, députés révolutionnaires? Non. Est-ce que vous êtes pas... Moi je suis révolutionnaire pour le Congo, pas député révolutionnaire. Ma révolution, j'ai gagné ma révolution. Ma révolution, c'était séparer Kabila avec Félix. J'ai réussi mon combat. Aujourd'hui, il ne me reste qu'un seul combat, la construction de la nation. Et accompagner Félix, et accompagner le Premier ministre, et accompagner tous ceux qui seront animés de bonne foi dans le souci de construire le Congo en tant que nation. Le Congo n'est plus une nation. Que les gens cessent de blaguer. Le Congo n'est plus une nation. Les restes, ce sont des tralala. Gouvernement, entreprise, les fondamentaux, c'est le Congo qu'on doit construire. Mais c'est donc... J'aimerais éclairer l'opinion par rapport à ce que vous dites, députés révolutionnaires. Non. Ils n'ont aucun intérêt de saper l'action des chefs de l'État. Ils n'ont aucun intérêt de saper l'action du Premier ministre. Par contre, ils ont seulement revendiqué. Que l'opinion sache, tous les députés, nous sommes animés de bonne foi, c'est-à-dire la volonté et la vocation d'accompagner l'action de Félix Etienne Tshisekedi. Vous serez à l'investiture. Je serai là. Je suis de l'Union Sacrée. J'ai tout intérêt d'accompagner l'Union Sacrée. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union Sacrée, Daniel Safoula. Parmi les grands leaders de l'Union Sacrée, Daniel Safoula. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union Sacrée, il trouvera Daniel Safoula sur son chemin. Et je l'écraserai. Et vous êtes déterminé. Je l'écraserai. Merci, ça l'est fini pour cette émission. On se retrouve très prochainement. On va vous laisser travailler. Nous allons vous accompagner jusqu'à la fin de votre Accompagnez-moi. Ça, c'est faire la politique autrement. Voilà. Faire la politique autrement. Faire la politique avec des idées claires et distinctes. Que les gens retiennent les concepts. Cantonnage, Manuel. Et réputation de proximité. De proximité. Oui, bien, c'est mon Manuel Makala. Mame, Tourulanda Daniele. Mame, Tourulanda Daniele. Mame, Tourulanda Daniele. Mame, Tourulanda Daniele. Ça l'est fini pour Daniele. Merci, ça l'est fini. On se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité. Dit que les députés veulent bloquer. Non, ça c'est faux. Nous avons besoin de construire la nation. On a besoin de construire la nation. On n'a pas besoin tel doit être ministre, tel doit être... Non. Les vrais besoins, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer, mais le Congo ne passera pas. Le Congo immuable éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union Sacrée, Daniel Safoula.
parmi les grands leaders de l'Union sacrée, Daniel Safouela. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union sacrée, il trouvera Daniel Safouela sur son chemin. Et je l'écraserai. Et vous êtes... Info 243, la référence de l'actualité.